entre toi et puis le président Ouattara, ou entre toi et Patrice Talon, entre toi et Fognassi. Bon, Fognassi, mais lui, c'est un lâche, je n'ai pas parlé de lui. Lui, c'est un lâche. J'aimerais le dire aux Ivoiriens et aux Africains, parce qu'il joue tout le jeu. C'est quelqu'un qui n'est pas propre. Quelqu'un même qui a tripatouillé la constitution de son pays et qui s'est donné le droit, bien entendu, d'avoir, d'après lui, un régime parlementaire. Alors qu'en réalité, on sait très bien que c'est du folklore, c'est de la poudre qu'on met dans les yeux des Togolais. Et puis, c'est lui qui est toujours assis et qui dirige le pays avec une main de fer. Donc, pour échapper, bien entendu, aux élections présidentielles, pour ne pas qu'on puisse l'éjecter, non, on va créer un régime parlementaire, le premier ministre aura tous les pouvoirs. Mon œil. Et c'est un monsieur qui est un roublard. C'est un monsieur qui aujourd'hui alimente des foyers de tension et qui fait en sorte que cette crise-là puisse perdurer parce qu'il en tire profit. Donc moi, ce monsieur-là, il ne m'inspire pas confiance et il ne me plaît pas du tout. Mais j'aimerais dire à Fognassi, mais je ne suis pas encore descendu sur vous. Hein. Qu'il est descendu sur vous, là. Vous me connaissez. À l'époque, là, vous savez très bien. Qu'il est descendu sur votre vie, là. Vous allez apprécier. Continuez à faire du lesbotisme. Continuez à aller comploter contre la Côte d'Ivoire, contre le Bénin. Parce que je ne peux pas comprendre que le Bénin, qui est un pays de la CEDEAO, ce Bénin-là soit en porte-à-faux avec le Niger et vous vous acceptez que les marchandises du Niger puissent transiter par votre port. Ça s'appelle de la trahison, ça s'appelle de la lâcheté, ça s'appelle de l'égoïsme. Vous êtes un homme égoïste, vous êtes un traître et c'est ça une réalité. Patrice Talon lui-même, là, il devait rompre tout ce qui est en coopération avec vous. Et pendant que nous y sommes, Fognassi, allez rejoindre l'AES, qu'on soit d'accord. Parce que quand on est traite là, il faut assumer sa traîtrise. Moi, je n'aime pas les lâches, les gens qui sont avec nous, qui ont des comportements de crabes, des démarches de crabes là. Moi, je n'aime pas ça du tout. Vous avez compris? Quand on est dans la sous-région ouest africaine, dans la CEDEAO, on se doit d'adopter la même démarche que tous les chefs d'État de la CEDEAO. On se doit d'avoir la même posture et la même vision quant aux intérêts de la CEDEAO. Mais vous, pendant que d'autres prennent des sanctions, vous permettez à ce que des marchandises de ces pays-là transitent par votre port. Vous êtes un lâche et j'aimerais vous le dire. Mais pour dire quoi, Ibé, quand toi tu regardes les chefs d'État là, et puis toi là qui ressemble à un esclave de salon, toi tu ressembles à un vigile.